Hop, les bancheurs, ils sont prêts à fermer. Je viens de charger un petit camion de matériel qui s'en va, du matos qu'on n'a plus besoin. Là, les bancheurs, ils sont prêts à fermer. Alors, qu'est-ce qui se passe, messieurs? Il me dit d'attendre. Attention les bancheurs. Vous êtes comment? Vous êtes comment, messieurs? Putain, il fait une chaleur terrible aujourd'hui, quoi. Thank you.
on y préfère finir de fermer avec une qui est de l'autre côté. Alors moi je ne les contredis pas. Je vais de l'autre côté. Voilà. Alors messieurs, laquelle vous voulez? Bon. Alors Seb, t'es où? Il m'a dit d'aller de l'autre côté. C'est mal, hein? Putain, les arbres aussi, con. On a été... Enfin, pas moi, mais... Ils ont été tout bien stockés sous les arbres. Comme d'habitude sur ce chantier. Ah, putain. Sur ce chantier, j'aurais fait autant de délagage que de construction. J'ai eu à péter de ces espèces de branches. La pire que j'ai fait, c'est de prendre un contrepoids d'une tonne et demie pour couper une branche qui nous gênait pour stocker. Je me suis mis au-dessus de la branche et j'ai moulé à fond avec, avec une tonne et demie accrochée. La branche, elle n'a pas fait 10 secondes, quoi. Ça a pété, mais j'ai pété une branche plus de 20 cm de diamètre, quoi. Une grosse branche. J'ai pas arrêté sur ce chantier de faire que péter des branches. Et encore, j'étais pas là quand ils ont posé les bilans à gauche du bâtiment, là, et là aussi, ils ont dû en péter quelques-unes. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Bon, mais on ferme, hein. On ferme. Pareil, un peu de béton aujourd'hui, quoi. Putain, c'est cool, hein. Ah, le beau temps comme ça, couler du béton, c'est le top, hein. Eh ben. Oh putain.
Je peux pas avancer, j'ai la route. Putain, j'ai éclaté la passerelle à cause de l'arbre. Alors, comment on la remonte la passerelle? Est-ce que je l'ai niquée? Est-ce que. Putain. Mais j'y étais accroché dans ce putain d'arbre là, mais. Elle a pris l'arbre! Ah putain, ça fait un an que je suis sur ce chantier, j'ai jamais rien cassé. Et bien voilà, il a fallu aujourd'hui la reprise, la bonne année. Et j'ai pété la passerelle. Je l'ai cassé. Oh là, oh là, attends, elle ne marche pas comme ça, mon ami. Hein. Est-ce que je l'ai cassé ou est-ce que.
Ah putain, ça a bien tiré, ouais. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas la manche que j'ai cassée, c'est juste le garde-corps. Je suis désolé, les gars. Je suis vraiment désolé. Putain. Alors si au coulage, il y en a un qui se casse la gueule parce que j'ai pété le garde-corps, je vais m'en vouloir. Hein. Putain. Quelle connerie, con. Ah putain! Ouais, j'ai cassé le garde-corps, j'ai évité le pire parce que quand j'ai vu qu'elle partait, j'ai relevé vite hein, et j'aurais pu taper la terrasse. J'ai évité le pire, mais après on n'a pas trop le choix quoi. Là, il fallait bien que je lève pour pouvoir me dégager. La commande, les gars. Hop, c'est posé. Ah putain. Connerie, quoi. Thank you.
Et le trou qu'on avait laissé là au milieu du bâtiment, en fait, quand j'étais pas là, ils y ont mis un style de verrière là par-dessus. Ça fait un trou dans le toit du bâtiment et avec la lumière du jour qui rentre, quoi. Je me demandais ce que c'était ce trou là. Et puis voilà, hein. Bon, ça la fout mal, hein. Je relis, hein, je casse du matériel. Après, bon, c'est à moitié ma faute, hein, et à moitié de la faute de ce chantier de merde au milieu de la forêt là. Il y a le béton! Il y a le béton qui est déjà là! Ok les gars, il est 2h30, béton. Eh bien, si on se démarre bien, on finit à l'heure. On va bien se démerder parce qu'est-ce qu'il lui faut là? Il va lui falloir 3 cubes à lui, 3 cubes à moi quoi. En gros, alors la benne à béton, je vois même pas où ils l'ont mise. Je sais même pas où ils ont mis la benne à béton. Fermage de la banche. Hop.